Let me hear that music, please. Everyone, let's thank President Trump. Nice and loud. God bless you. This is a man. So play YMCA. Go ahead. Let's go. Nice and loud. Here we go, everybody. Glory, glory. Scène très étrange hier en Pennsylvanie. C'est ce que vous voyez à l'instant. Donald Trump a écourté une séance publique de questions-réponses avec des électeurs. L'événement a été interrompu parce que deux spectateurs ont eu un malaise, ont perdu connaissance. C'est alors que Trump a d'abord dit, suggéré d'arrêter les questions, mais il a demandé à la blague, comme si on pouvait blaguer de ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont le goût de perdre connaissance? Là, les gens ont ri, mais la fête a continué avec sa musique. Il a transformé l'événement en une sorte de festival de musique vraiment improvisé. Une tournure qui soulève pas mal de questions aujourd'hui dans l'ensemble de la presse américaine, et on la pose ce soir sur l'acuité mentale de Donald Trump. Même Mme Harris a ainsi lancé la balle au bon et demandé si Trump allait bien sur son X. Elle a répondu que c'était elle qui était malade puis qui n'était pas capable d'assumer les fonctions de présidente. J'en parle d'abord avec Valérie Beaudoin parce que ça a été une fin de semaine riche en déclarations. J'ai pas mal d'inquiétudes, Valérie. Que dire? Faites-vous le lien, vous, entre... D'abord, bonsoir. Faites-vous le lien bonsoir. Entre cet événement-là, blaguer sur des gens qui perdent connaissance pour ensuite transformer ça en 39 minutes de danse? Et son mais premièrement, pour... premièrement, pour le commentaire sur les gens qui perdent connaissance, bien, je ne suis pas surprise parce que c'est un commentaire très, très à la Donald Trump qu'on a pu voir dans d'autres rassemblements. Donc, peut-être un petit manque de sensibilité ici qu'on... On va dire que c'est une blague et que c'était pour peut-être détendre l'atmosphère. Pour ce qui est de ce, vous avez parlé d'un festival de musique dont on qualifiait ça de soirée dansante, de soirée où le malaise était très présent parce que 39 minutes où on n'a pas de contenu, on n'a que Donald Trump à l'avant qui regarde les gens très, très heureux de danser. C'était une image un peu surréaliste. Et je ne sais trop, je vous avoue, Anne-Marie, ce soir, comment qualifier l'événement parce qu'on ne savait pas trop où tout ça s'en allait. Et ce que je pourrais qualifier faire, en fait, c'est de voir la reprise politique. Parce qu'il y a eu la reprise politique, bien sûr, du camp démocrate. Kamala Harris, is he okay? Est-ce que le président va bien, comme vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, que finalement, il n'a pas toute sa tête? Mais du côté des Républicains, on n'a pris qu'un petit extrait. Par exemple, quand on chante Alléluia, d'ailleurs, on a Rufus Wainwright a dit qu'il ne voulait pas qu'on utilise sa version dans les événements de Donald Trump, que ce soit un moment où on a même chanté, imaginez, Ave Maria dans un événement comme ça. Et là, on reprend ça en clip en disant, vous voyez, il y avait un moment de communion autour de Donald Trump, mais quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, je doute un peu de ce moment de communion qui semblait plutôt une fête qui s'étirait un petit peu trop. Oui, puis j'ai vu plusieurs sondages depuis quelques mois, mais encore, c'est le jour dernier, qui montre que la confiance des Américains aux aptitudes mentales de Trump, ça diminue. On le croit trop vieux, puis on fait de moins en moins confiance. Et aujourd'hui même, parce qu'il était à Chicago, au club économique de Chicago, il a suggéré aux gens d'aller voter le 5 janvier 2025. Oui. Oui, ça fait partie des vidéos qui sortent et il y a des gens qui se questionnent pourquoi le 5 janvier 2025, il s'est trompé de date, est-ce qu'il fait référence au mois de janvier, bon le 6 janvier où on va certifier la victoire, là il y avait toutes sortes de théories qui circulaient, mais oui, bon, est-ce que c'est une erreur comme ça ou autre, mais il y a des questionnements, c'est surtout au niveau, je vous dirais, du fil conducteur pour moi dans ces rassemblements. On part du point A au point B, mais il y a vraiment de la confusion dans les propos, on n'est pas capable de terminer une idée très très claire. Clairement, ça, on le voyait déjà lorsque Joe Biden était là, mais on était tellement attentif à Joe Biden, à ses faits et gestes, parce que c'était plus gros, hein, c'était plus évident qu'on perdait peut-être le fil dans ses propos, dans ses discours. Là, on le voit pour Donald Trump. Par contre, il a demandé lui-même que Kamala Harris passe un test d'aptitude, hein, un test aussi au niveau de ses capacités, savoir si elle était saine d'esprit, si elle pouvait elle-même avoir les capacités pour diriger un pays. Et de l'autre côté, Kamala Harris lui renvoie un peu la même flèche en lui demandant, lui, peut-être d'en passer un. Alors, on est là dans la campagne électorale, je trouve ça bien dommage parce qu'on voit qui a les capacités mentales ou pas de le faire. C'est pas à nous de juger, bien sûr, mais ce qu'on voit, c'est que Donald Trump est peut-être moins en forme que ce qu'on pourrait penser, du moins avec les exemples qu'on a récemment. Ouais. Et depuis le début de la campagne,
s'en cache pas, c'est une campagne où il va pouvoir se venger, s'il est élu, pouvoir se venger de ses ennemis politiques. Et en entrevue dimanche au réseau amical pour lui de Fox News, mm-hmm. il a décrit qui étaient les ennemis. Et les ennemis, c'est pas la Russie, c'est pas la Chine. Hein. Les ennemis sont de l'intérieur. On l'écoute. I think the bigger problem is the enemy from within, not even the people that have come in and destroying our country, by the way, totally destroying our country. Some very bad people. We have some sick people, radical left lunatics. And I think they're the and it should be very easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary, by the military. Puis il complétait aussi, Valérie, en disant qu'un exemple de cet ennemi de l'intérieur, c'était le représentant Adam Schiff, qui est candidat au Sénat. Donc, mm-hmm. C'est la preuve ici qu'il veut vraiment s'attaquer à ses ennemis politiques, ses adversaires. Dans une démocratie, on a des adversaires. Oui, bien, c'est ce qu'on peut lire entre les lignes, hein, parce que Donald Trump aime beaucoup jouer sur les mots, avoir des exagérations, et c'est difficile de tracer la ligne à savoir ce qui est vrai, ce qui est une exagération, ce qui est une blague. Et dans ce cas-ci, Adam Schiff, c'est lui aussi qui avait dirigé l'effort, entre autres, de destitution. Alors, c'est un peu un ennemi de Donald Trump, oui. Il a aussi critiqué à plusieurs reprises. Donc, un ennemi, on s'entend, je reprends votre terme, peut-être plus un adversaire politique, mais qui est l'ennemi de l'intérieur? À une certaine époque, l'ennemi de l'intérieur, c'était la peur du communisme, hein, à l'époque du macartisme et tout ça. Là, l'ennemi de l'intérieur, c'est qui? C'est la gauche. Est-ce que c'est des élus démocrates? Est-ce que c'est la population générale? Les électeurs qui sont plus à gauche au pays? On ne le sait pas. On n'a pas vraiment d'idée. On dit que ce sont des fous, que ce sont des personnes dangereuses. Ils parlent de l'armée, de la garde nationale. Je veux rassurer tout de suite les gens qui nous écoutent. Donald Trump n'est pas au pouvoir. Ne peut pas, la journée de l'élection, dire « je veux avoir la garde nationale ou l'armée s'il y a des manifestations ou autre. » Est-ce qu'une fois président, il pourrait le faire? Oui, on a déjà vu ça par le passé. Oui, il a déjà menacé de le faire par le passé. Et c'est une accumulation pour moi de propos qui ont un ton autoritaire. Est-ce que c'est ça le fond de sa pensée? Personne ne peut le savoir. Mais on se souvient qu'il avait dit « je vais être dictateur pendant une journée seulement ». Il a aussi parlé des policiers qui pourraient avoir une heure complète de violence pour pouvoir régler le cas des gens qui font des vols dans certains secteurs aux États-Unis, entre autres la Californie. Une journée de violence, c'est un terme qui a été utilisé aussi. Alors, c'est que ça s'ajoute à une rhétorique assez dangereuse qu'on peut associer. Certains disent qu'on associe ça à du fascisme carrément. Ouais, mais qui ne semble pas affecter sa base. En tout cas, elle est toujours aussi forte, elle est toujours aussi serrée. Un dernier extrait pour aujourd'hui, à savoir qu'il a parlé aujourd'hui du transfert de pouvoir du 6 janvier 2020. On écoute. The primary scene in Washington was hundreds of thousands, the largest group of people I've ever spoken before, and I've spoken before, and it was love and peace. And some people went to the Capitol. I left the morning that I was supposed to leave. I went to Florida, and you had a very peaceful transfer. Those people that did go down, which was a tiny fraction of the people that went to Washington, not one of those people had a gun. Nobody was killed except for Ashley Babbitt. She was killed. She was killed. She was shot in the head by a policeman that had no, what he did was horrible. C'est un peu décourageant parce que celle qui a été tuée, effectivement, était entrée dans le Capitole et il y avait de la bousculade. Il y a 5 personnes qui sont mortes ce jour-là. Puis pour lui, c'était un transfert de pouvoir. Lui, avant, quand il avait pris la parole, il avait dit « vous faites, pour se battre, pour garder notre pays. » Peace and love. Oui, c'est ça. Il y a aussi l'expression, si vous vous souvenez, des touristes hein, qui étaient à la Maison-Blanche. C'est surtout, il dit, une seule personne a perdu la vie. Quand il y a des policiers qui ont perdu la vie, il y en a combien qui se sont enlevés la vie aussi par la suite du traumatisme de cette journée, toutes les conséquences qu'on a eues. C'est comme J.D. Vance pendant le débat vice-présidentiel qui disait que c'est un transfert pacifique du pouvoir. Donc, on reprend toujours cette expression. Donald Trump qui a aussi promis d'offrir un pardon politique, un pardon présidentiel plutôt, à certaines personnes qui sont emprisonnées à la suite du 6 janvier 2021, des événements. Même le leader des Proud Boys, ça fait partie d'une des possibilités. Il l'a dit, je vais étudier ça. Est-ce qu'il pourrait être libéré lui aussi? Donc, on voit ça pour lui, il voit ça comme ce sont des prisonniers politiques, des otages. C'est toute une rhétorique qu'on a utilisée par le passé. Et là, de dire que ça s'est fait pacifiquement et qu'il était en Floride, il n'était pas sur place. Je rappelle que la tradition veut quoi?
qu'on soit là pour la passation du pouvoir, pour l'assermentation d'un nouveau président. Et Donald Trump avait aussi refusé de le faire, ce qui ajoutait un peu d'eau au moulin. Écoutez, il y a encore plein d'extraits qu'on pourrait commenter. Oui. Il n'a pas voulu répondre à la question s'il a parlé à Poutine cette fois, comme l'affirme Bob Woodward dans son livre. Tout à fait. Si, je ne répondrai pas ça, mais si je l'avais fait, ce serait une bonne chose. Alors, Valérie, encore trois semaines. Encore trois semaines. Oui. Merci. Bye, au revoir. À bientôt. Au revoir.